Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien spécial sur Kaleidoscope. Nous recevons le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zosso. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlerons de la vie de la LNB depuis votre arrivée à la tête de la maison depuis 2016. Nous parlerons également de l'actualité club de football Loto Popo. Ça sera également l'occasion pour nous de recueillir votre lecture sur la quintessence du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Prudent Nasséou. Prudent, bonjour. Bonjour Paul Danongbe, bonjour aux amis internautes, bonjour au directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Vous êtes en poste depuis 2016, Paul venait de le rappeler. Quel est votre secret? Non, rien, on s'appelle à la tâche. Et vous êtes dans le cercle fermé du chef de l'État? Je pense qu'il n'y a pas de cercle fermé. Chacun, là où il se situe, guerroie. Il tient la position qu'on lui a indiquée. Il est un bon soldat, il fait sa part de combat. Il nourrit le feu. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, 6 ans maintenant. Aidez-nous à apprécier, oui. C'est pas peu, c'est beaucoup de temps, oui. Et vous avez le sentiment d'avoir apporté du nouveau? Je n'ai pas de sentiment, je laisse les chiffres parler. On va en discuter. Si. Et puisque vous en parlez, j'ai bien envie de vous demander comment se porte la maison LNB aujourd'hui? De mon point de vue, elle se porte très bien, et c'est visible. Et quand on parle d'une maison qui a plutôt une entreprise, elle a une fonction. Et sa fonction, c'est de faire des chiffres, c'est de payer des impôts, c'est d'avoir un impact social sur la communauté. Et c'est de grandir, c'est prendre de la dimension, c'est faire de plus en plus, de mieux en mieux. Et là-dessus, j'ai dit, bon, ce sont les chiffres qui parlent, ce ne sont pas nos états d'âme. Les chiffres sont clairs. Quels sont-ils ces chiffres aujourd'hui? Ils sont que la Loterie nationale du Bénin a été créée en 1967. Oui. Et qu'elle avait 49 ans d'âge quand j'ai eu le privilège d'en prendre la direction. Et que sur presque 50 ans, elle n'avait jamais atteint le seuil de performance de 10 milliards de francs CFA sur l'année. Je dirais plutôt 11, parce que c'était 10 et quelques toujours, 10 milliards, jusqu'en 2015. Et qu'en 2021, nous avons fait, en compagnie de mes collaborateurs, 83 milliards. Et qu'en matière de résultats nets, si ma mémoire est bien bonne, jamais elle n'a fait plus de 600 millions de francs CFA. Mais qu'en 2021, nous avons soumis à nos commissaires aux comptes un résultat net prévu de 7 milliards de francs. Il s'agit d'une poussée de 1200% en 5 ans. D'une poussée de 1200% en 5 ans, c'est-à-dire, bon, presque 10 fois plus en 5 fois moins de temps. C'est donc une délivrance d'énergie qui serait peut-être une multiplication par 50 d'efficacité. Juste en comprenant la mission, qui est celle de l'organisation, en se donnant une vision, en améliorant l'organisation, en mettant les hommes et les femmes de qualité au travail. Et puis ça se passe tout à fait normalement. Et quand je parle de 83 milliards, ce n'est pas un plafond. Nous avons une courbe. Et je sais, de mon point d'observation, qu'on ne va pas plafonner, pas avec moi. D'ici 2 ans, 3 ans, on ne va pas plafonner avant un chiffre de 150 milliards. Et un résultat net, je veux dire bénéfice à verser à l'État propriétaire, entre 10 et 15 milliards. Comme je dis, il s'agit de chiffres, il ne s'agit pas d'état d'âme. Qu'est-ce qui a conduit à ces chiffres, à ces prouesses, si on peut le dire ainsi? Je pense que prouesse, c'est excessif. Je pense, de façon sincère, avec humilité, à vouloir rester modeste, qu'il faut toucher à des manettes. Celui qui a ouvert le robinet pour que l'eau coule en abondance n'est pas la force de l'eau. J'ai juste le privilège d'avoir été désigné pour ouvrir le robinet.
le robinet de l'efficacité, le résumé, le robinet de l'enthousiasme. Mais dans une organisation, c'est très important, dans une organisation, l'énergie n'a de l'efficacité que quand elle entre dans un système de canalisation qui la conduit à un résultat. Dans le fond, il ne s'agit pas de courir dans tous les sens. Il s'agit de définir, de savoir, de percevoir par l'expérience, par l'observation, par l'apprentissage, par les conseils, de définir à chaque moment la meilleure manière de faire les choses. Je voudrais, si cela m'était permis pour la pédagogie, dire que quand on dirige une entreprise comme la loterie qui vend du rêve, c'est-à-dire la possibilité réelle pour chacun de gagner, on doit soigner son image, on doit être net, on doit être beau. Le beau rassure et attire. Si vous alliez dans la ville des voitures cabossées, qui ronflent mal, on va vous soupçonner d'être pauvre, et on ne viendra pas vers vous. Et si vous avez la bonne malice de faire des voitures brandées, de les aligner devant la maison en fuseau, le matin, les personnes dehors vont se dire, mais il semble qu'ils se relèvent là. Pourquoi ne pas s'accrocher et monter avec eux? Je fais dans ma tête un lien, et il semble que c'est pareil pour tout le monde, entre le beau, l'efficacité, la sécurité, dans la tête. J'ai demandé à un partenaire de jeu, le tennis de table, dans le passé, champion, Sunday, est-ce que tu as peur en avion? Il dit non. Moi, j'ai pas peur. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas peur en avion? C'est tellement haut. Il dit, l'intérieur est beau et les hôtesses sont belles. Il estime que quand l'intérieur est beau et que les hôtesses sont belles et souriantes, la science aéronautique est sûre et qu'il ne tombera pas. Mais c'est pas évident de l'enseigner, de le faire admettre qu'il y a un lien dans notre tête entre la netteté, la bonne tenue et l'idée d'efficacité et même d'intégrité et même d'éthique. C'est-à-dire de valeurs morales, d'intégrité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire seulement dans la surface, dans la cosmétique. Mais je dis simplement que ça compte. Alors, monsieur le directeur général, vous avez parlé des chiffres qui sont quand même édifiants et rassurants. La loterie nationale du Bénin se porte aujourd'hui mieux, en tout cas quand on s'en tient aux résultats, vous en rêvez plus. Mais dites-nous concrètement, quels sont les jeux, quels sont les services que vous offrez aujourd'hui à la population qui sont attractifs? Parce que de plus en plus, il y a cette affaire de l'auto-là qui embrasse tout le pays, les femmes s'y adonnent, les enfants. Et parfois, on dit que l'argent de la popote est aussi passé par là. Ah, vous savez, nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité parce que les jeux d'argent comportent un risque d'addiction, c'est-à-dire une tendance à s'y adonner sans mesure. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, à une occasion, je dirais tout au début de ma prise de fonction à la loterie, qu'il faut jouer au jeu de la loterie avec l'argent de la troisième bière. En y réfléchissant plus en profondeur aujourd'hui, j'aurais peut-être suggéré que ce soit l'argent de la première bière. Pourquoi? Ou peut-être de toutes les bières. Pourquoi? Alors, peut-être parce que mon appétit grandit et que je vais prendre davantage. Il y a une chose qui est certaine. Mmh. Quand on joue à la loterie, on s'expose au risque de gagner gros. Mais attention, il ne faut pas jouer avec l'argent de la popote. Il ne faut pas jouer avec les collages des enfants. Il ne faut pas jouer avec le loyer. Il faut jouer avec le superflu. On va à la loterie pour chercher de l'excitation, pas la richesse. Quand vous y allez pour la richesse, vous pourrez être piégé. Mais attention, j'ai aussi observé que mes clients, mes très respectables clients, sont des acteurs économiques, des homo economicus. Quand ils ne gagnent pas beaucoup, ils se rétractent. Quand le bruit de gain autour d'eux descend en dessous d'un certain niveau, ils se rétractent. Quand ils gagnent aujourd'hui, ils reviennent demain. Ce ne sont donc pas des animaux. Ils ne foncent pas la tête baissée, ils sont bien prudents. Mais la loterie a pour devoir de faire en sorte que l'espoir soit entretenu et que
ça continue de vivre. Mais il y a une chose qui est certaine. La maison loterie, l'organisation loterie, n'a pas inventé le goût du lucre, l'attirance de l'argent, ou même le goût du risque de ceux qui jouent. Le goût du lucre est partie intégrante de la nature humaine. Le goût du jeu, le goût du risque, et c'est une chose dont on n'est pas sûr, est de la nature humaine. Elle vient, la loterie, organiser cette tendance naturelle de l'être humain. Si elle n'est pas organisée, cette tendance, elle sera exprimée et vécue de façon sauvage. Toujours nous prenons des risques. On sourit à une personne dans l'espoir qu'elle vous retourne le sourire, mais pas avec la garantie qu'elle vous retournera le sourire. C'est aussi un risque. Il y a un risque à poser tous les actes que nous posons tous les jours de façon libre. Parfois, on court devant du danger, on accélère un peu trop fort sur la pédale de sa voiture, parce qu'il y a une forme d'appétit bizarre dans la vitesse, mais on vient organiser tout ça. On met des radars pour dire « faites attention ». Alors, je sais à peu près où on va en venir. L'addiction, les pauvres jouent, ils s'enfoncent, ils s'enlisent. Croyez-moi, nous connaissons le taux de saturation. Nous savons à partir de quand ça devient une maladie et qu'il faut réfréner les ardeurs. Nous ne faisons pas l'argent de la loterie à partir de nos clients qui sont accros au jeu. Nous faisons l'argent de la loterie pour l'essentiel, par les clients qui ont une consommation raisonnable et raisonnée du jeu. Une personne qui s'y adonne sans raison va se ruiner, sera même mis hors de la société, ne pourra pas continuer de jouer. Donc la prospérité de la brasserie ne repose pas sur les ivrognes et les alcooliques, mais sur les consommateurs ordinaires, normaux, modérés ou tempérés de l'alcool. De la bière. Gaston Zosu, vous avez associé la Loterie Nationale à une sorte de rêve que vous vendez à vos respectables clients, un peu pour reprendre vos mots. Dernièrement, nous avons observé une sorte de pullulement des points de vente, des tickets de loterie dans toutes les communes du Bénin. On a comme l'impression que la Loterie Nationale participe à l'enlisement de la jeunesse dans ce qu'on peut appeler la paupérisation, la pauvreté, l'oisiveté qui s'ensuit, qui suit avec tous les vices. Merci beaucoup. Je serai le dernier, personnellement, à entretenir ou à organiser le mal. Surtout ce mal-là qui va s'attaquer à la communauté à laquelle j'appartiens. Je serai le tout dernier à m'attaquer aux jeunes, c'est-à-dire à notre devenir, à la perpétuation de notre nom, à la perpétuation de notre pays, de notre communauté. Et je dis, de ma position, que je sais faire le rapport entre le produit intérieur brut de mon pays, le Bénin, à sa dimension, et le chiffre que la loterie fait avec cette population, et je sais la comparer avec celles d'autres pays qui sont anciennement organisés. Et je suis convaincu, sur la base des chiffres, que nous sommes en dessous, largement en dessous du seuil de saturation ou du seuil d'addiction qui poserait problème. Ce que vous observez, c'est de la visibilité commerciale. Et j'insiste pour dire que le dernier travailleur de la Loterie Nationale du Bénin sait que les joueurs ne jouent pas tête baissée. Quand les gains sont bons aujourd'hui, nous savons que demain, on jouera. Quand les gains sont mauvais aujourd'hui, nous savons que nos caisses ne seront pas alimentées. Si, de façon constante, les gens jouaient et que les gains montaient, et qu'il n'y avait pas de fluctuation, nous soupçonnerions nos clients d'addiction, de perte de raison. D'accord? On les soupçonnerait de s'y lancer
à corps perdu, éperdument. Ce n'est pas le cas. On joue avec eux. On joue contre eux. On lâche un peu, ils viennent. Quand on lâche beaucoup, ils viennent davantage. C'est un jeu d'esprit. De toute façon, s'ils ne l'organisent pas, il sera organisé par des délinquants qui ne payent pas d'impôts, qui ne font pas faire des carrières à des Béninois. Si l'État ne l'organise pas, en tant que loterie ou en tant qu'instance de régulation, ça sera fait dans les rues. Les enfants vont jouer aux jeux de cartes dans les quartiers, même à l'école. Mais il vaut mieux organiser un instinct naturel qui existe, c'est celui du jeu, que de les laisser à sa nature spontanée et sauvage. Et c'est ce que fait la loterie. Vous en avez les prérogatives depuis 1967, vous l'avez rappelé. Et il est dit au titre de la loi que vous consacrez une partie des bénéfices à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires. Pour ce qui est du sport, Paul l'évoquait tantôt, on en parlera dans la suite. Mais de façon concrète, en ce qui concerne les infrastructures socio-communautaires, est-ce que la loterie continue d'en réaliser? Parce qu'en notre temps, on avait des maisons des jeunes décorées à l'effigie de la loterie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la construction d'infrastructures socio-communautaires qui relèvent de votre mission? Merci beaucoup. Changer de sujet, je dirais que aujourd'hui, il me semble que nous sommes dirigés avec beaucoup plus de cohérence que dans le passé. Et qui ne sert à rien s'il y a un gouvernement qui a un plan d'action en matière d'infrastructure sanitaire, en matière d'infrastructure scolaire, et de façon parallèle, hors coordination, pour nous, à continuer à faire pareil. Il vaut mieux, avec les résultats de la loterie, je veux dire résultats bénéfices, il vaut mieux qu'avec les impôts payés par la loterie, que l'État soit plus fort et agisse selon son programme, selon le programme d'action du gouvernement. Donc, quand nous ne le faisons pas visiblement, l'argent est rendu à l'État propriétaire pour le faire dans sa propre organisation. Et vous continuez pas à investir en construisant des salles de jeu, ça frappe partout, on passe sur tout le territoire national. On va faire la différence entre les maisons de jeunes, qui ont pour vocation d'héberger les personnes jeunes des communautés, pour leur distraction, et les centres de jeu où nous jouons. Voilà. Les centres de jeu où nous jouons sont des lieux physiques et d'attirance saine, où on met des personnes distinguées, qui ont de la classe, que nous bombardons de lumière le soir pour que les personnes viennent jouer. Pour que les amis... Et c'est le beau que vous vendez aujourd'hui. À la loterie nationale. On va ça le séduit, beau. Ça séduit tout le monde presque. Je ne sais pas. Au regard du risque de perdre les paris, le travail qui se fait est séduisant. Non, chers amis, vous pensez que les gens qui jouent sont déraisonnables? Non, ils ne sont pas des accros pour la plupart. Ils ont des habitudes. Les gens jouent pour 200 francs, les gens jouent pour 100 francs, les gens jouent pour 500 francs, il y en a qui jouent pour 50 000 francs. Les gens se regardent et prennent le risque en proportion de leur capacité réelle. Ce qui serait mauvais serait d'arriver dans une situation telle que les gens se privent de s'alimenter, de se soigner, de s'instruire ou d'instruire leurs enfants. Parce qu'ils joueraient à la loterie. Ce serait malsain, ce serait dangereux. Et nous sommes chargés d'arrêter ça. Mais tant que ça reste le jeu pour l'excitation, pour la prise de risque proportionnée à ses capacités, ça reste un jeu à l'universel. Est-ce que, monsieur le DG, il y aura des jeux qui vont disparaître, un peu comme les tickets à l'ère de la révolution numérique? Bien sûr. Tout comme... le fax a écrasé le téléx et que le e-mail aujourd'hui écrase le fax. Il y a dans le secteur du jeu aussi des progrès qui font que certaines offres de produits sont devenues désuètes. Et on est obligé de bouger avec la digitalisation. Aujourd'hui, on se déplace pour aller jouer, mais on peut aussi, sur son téléphone, sur son ordinateur, jouer. Avec autant de sécurité et avec autant d'appétit. Et vous y réfléchissez? Je dirais qu'on y travaille et que tout est quasiment programmé. J'avais pensé
il y a quelques années derrière qu'on pouvait résister au progrès. Non, il faut négocier la marche en avant. Il faut accepter, comme une brindille quelconque, d'être porté par le torrent et avoir quelques capacités d'orientation de soi-même. Mais personne ne peut ramer à contre-courant de là où va le monde. Aujourd'hui, on digitalise, on numérise, on fait beaucoup de choses sur place, sans plus se déplacer. On remet de l'argent à quelqu'un qui est à Latitengu, à la seconde près, à quelqu'un qui est à Dogbo, à la seconde près, quand on est à Cotonou. C'est le progrès. Autrefois, on faisait des mandats à la poste. On se rendait physiquement à un bureau de poste, on déposait l'argent, et puis on attendait le mandat. Cela a même été, je crois, l'objet d'un livre africain. Je crois, de Ferdinand Oyolo. Oui, très bien, le mandat. Bon, c'est une histoire. C'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est instantané. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire non. Croyez-moi, le progrès nous embarque. Il vaut mieux se faire embarquer et négocier sa position sur l'embarcation plutôt que de chercher à se mettre en travers de ce qui est, de mon point de vue, irrésistible. À côté de la vie de la LNB, il y a également le volet sportif. La maison LNB a en charge aujourd'hui une équipe de football, oui. L'Auto Popo. Mmh. Quelle est l'actualité de ce club aujourd'hui? L'actualité de ce club aujourd'hui, ben, c'est que nous sommes dans le championnat de football béninois et que nous avons d'instinct, de façon complètement naturelle, l'ambition d'être parmi les tout meilleurs, sinon le meilleur. Et le dire aujourd'hui, ce n'est pas avoir trop d'ambition, ce n'est pas être prétentieux. On a déjà été champion de Bénin et nous avons été champion au coup d'essai. Le premier coup fut un coup de maître. Mais je pense que cette chose qui a ressemblé à un affront a suscité une réaction de la part de la concurrence, des autres clubs, des autres équipes. Et ils sont venus, ils ont réussi à nous détrôner l'année dernière. On nous a pris le titre de champion. Et puis bon, nous pensons qu'ils vont nous le restituer cette année. Vous comprenez que il n'est pas bien qu'on renonce. Ce que vous avez eu, possédé, étant sorti à peine de l'œuf, étant sorti du cocon, par la passion, par l'organisation, par la veille, par la force de la pensée, vous l'avez eu, vous l'avez perdu. Vous considérez que quelqu'un l'a emprunté pour un temps. Vous avez participé au début de la saison, oui. Si vous me le permettez. Vous avez participé à la tête de l'Auto Popo à plusieurs championnats au Bénin. Il me plaît bien de vous demander quelle est la lecture, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le football au Bénin, généralement. D'abord, je voudrais être autorisé à parler de façon générale du football. Ouais. Je crois avoir observé que c'est peut-être la chose ou le phénomène le plus puissant aujourd'hui pour lever les consciences, pour susciter de la passion et conduire une communauté humaine, nationale, dans une direction. Et quand on voit le déferlement populaire qu'il y a eu dans les rues des villes du Sénégal, en particulier à Dakar, quand cette équipe, les Lions de la Teranga, a arraché le titre de champion d'Afrique, on se dit bien que rien en ce monde ne peut susciter un tel enthousiasme. Et l'autre chose que l'on remarque, c'est que le sport soude. C'est vrai, il s'agit de confrontations sportives, mais finalement, ça soude. Ça soude d'une manière exceptionnelle. Rappelez-vous, il y a quelques années derrière, notre pays a éliminé un pays de renom qui aujourd'hui se fait remarquer à la Coupe du Monde, le Maroc. Vous voulez parler du Maroc? Et ce jour-là, comme beaucoup de Béninois, je suis descendu dans la rue, ne serait-ce que dans le voisinage de ma maison. Personnellement, j'ai oublié de porter mes sandalettes, c'était pieds nus. J'ai eu beaucoup de témoignages. Un parent à moi m'a dit,
que cette nuit d'effervescence, de joie populaire, il a vu une vieille maman devant son étalage d'orange. Il lui a dit, maman, comme vous êtes en fête et que je suis en fête, est-ce que je peux partir avec une orange sans payer? Et la vieille lui dit, tu pars avec l'étalage, je suis un bonheur, mon bébé grandit. Il n'y a pas meilleur ciment pour faire une nation aujourd'hui que la mobilisation autour du sport et des réussites culturelles, dans l'art, dans le chant, dans la danse. Ne nous trompons pas de combat. Je vais dire quelque chose de moins agréable. Deux de mes joueurs, qui sont de l'intérieur du pays, ont commis une faute. Je les ai convoqués au bureau pour leur faire des remontrances et j'ai voulu leur montrer l'importance du football. Je leur ai demandé où est-ce que vous étiez à chacun d'eux cette nuit-là de la victoire du Bénin sur le Maroc. Et chacun a dit où il se trouve. Et l'un d'entre eux a dit, c'est une chose vilaine, hein, c'est pas bon, qu'il y a eu des accidents mortels du fait de la joie. Alors, nous, nation neuve, jeune, qui cherchons nos repères de cohérence, qui n'avons pas le privilège d'avoir pris la Bastille ensemble ou d'avoir partagé la puissance cérébrale de Voltaire, il nous faut bien trouver une raison pour être ensemble. Gagnons des matchs, gagnons la Coupe d'Afrique des Nations. Si on s'y met aujourd'hui, on met les moyens, on met l'organisation, on met la rigueur, on met la méthode, on met l'impartialité, vous serez surpris par le résultat, dans 3 ans, dans 4 ans. Ça ne trompe pas le travail organisé. Je dirais même gagnons du temps, mais faisons avec application ce que nous faisons. Et moi, je sens cette application. Quand je joue aujourd'hui, que ce soit à Plaoué ou à Lokossa, ou que ce soit dans le nord de notre pays, il y a là, présent, les sapeurs-pompiers. Il y a là l'ambulance, il y a la police. Et ça débat à 16h quand c'est 16h. Laissons-nous civiliser. Ne résistons pas au bien. Monsieur le directeur général de la loterie, vous êtes le président du club de football Loto Popo FC. En début d'année, il y a eu une petite incompréhension avec la Fédération béninoise de football. Mm-hmm. Est-ce que ce contentieux a évolué? Mm-hmm. Vous êtes autorisé maintenant à aller dans les stades? Hop. Ça a duré 2 semaines. Puis ça a réglé, ça s'est dû passer, on avance. Qu'est-ce qui avait conduit à cette sanction, Gaston Sossou? J'avais des hallucinations, je pensais que les arbitres trichaient. Et j'ai osé en parler. Et c'est ce qui vous a coûté? Et j'ai pensé que les arbitres. Mais la fédération a dit qu'elle a transmis le dossier à une commission. Est-ce que la commission a tranché? Il s'est écoulé depuis longtemps, presque 2 ans. Et j'ai pas encore eu. Et quelles sont vos espérances pour votre club cette année? Mais il semble que, je l'ai dit, non? Reprendre le. Mais il n'est pas bien. Reprendre la tête du championnat. Reprendre le titre. Il n'est pas bien. Et c'est ce que devrait faire chacun de nous. Chacun des clubs devrait rêver d'être champion. C'est ça qui fait l'émulation. C'est ça qui fait la performance. Et c'est ce combat-là, les uns contre les autres, qui va nous permettre demain de nous battre avec les autres pays et un jour de participer à une Coupe du Monde. C'est à portée de main, je le sais. Ça ne dépend pas de la taille des pays. Je ne sais pas comment ça s'est passé depuis que vous avez eu la bonté de m'enfermer ici, entre la Croatie, le jour en ce moment, je suppose, hein, et le Brésil. Mais c'est un pays de 3 millions d'habitants. Et le Brésil est un pays de 220 millions d'habitants. J'ai bien dit 3 contre 220. Mais ils ont joué d'égal à égal. Je ne connais pas le résultat, étant enfermé ici. Je crois qu'on me fait signe qu'ils ont perdu. Ce n'est pas grave. Mais à la dernière coupe, ils sont allés à la finale de la Coupe du Monde. Je répète, pays, petite dimension, 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Nous avons 4 fois plus. On a les mêmes muscles, on a le même cerveau. On a aujourd'hui de bonnes infrastructures. Qu'est-ce que nous attendons? La rage de gagner, la rage de vaincre, défier son corps et s'harmoniser avec les autres. S'harmoniser avec les autres, dites-vous, Gaston Sossou. Nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons aborder, prudent la CEO, un autre chapitre inscrit au titre de ce débat.
Vous avez suivi avec les Béninois le discours du président Patrice Talon. Il était face à la représentation nationale hier à Porto-Novo. Il a tenu un discours qui a presque été teinté, j'allais dire, de satisfaction au regard du bilan des lois qui ont été votées tout le long de la mandature. Qu'est-ce que vous y avez retenu? J'ai écouté le discours du chef de l'État. Je suis capable d'objectivité. Je ne me suis pas limité au discours, à sa phonétique. J'ai essayé de voir, pour chaque chose qui est dite, à quelle réalité elle correspond sous les yeux des hommes. Et je vois que peut-être, je dis avec respect, pour ma génération, par respect, pour ma génération, par respect pour la génération à laquelle j'ai appartenu, que moi, personnellement, j'ai le sentiment que mon pays est pour la première fois en train d'être dirigé selon une logique et une rationalité claire. Ce qui est dit est important et ce qui est dit est fait et bien souvent dans le délai. C'est la seule chose qui me fait trembler et qui me fait vraiment trembler, c'est l'idée diabolique que ceci pourrait s'arrêter de façon précoce parce qu'on se serait trompé. Je vous demande pardon. Je ne suis pas un salafiste du régime. Je pense que j'ai encore ma raison. Mais quand j'entends dire, moi, à mon âge, que l'on pourrait, ne serait-ce qu'en direction des filles qui vont à l'école, leur assurer des bourses d'environ 30 000 francs, transportées par les entreprises de téléphonie mobile, 30 000 francs, fois peut-être 10 mois, fois 3 ans, pour de la classe de 3e passer en terminale, c'est toute la pauvre famille du village qui va s'occuper de cette fille pour qu'elle fasse le trajet efficacement. Et demain, vous aurez une élite féminine, bien au point, pour nous porter. C'est simplement extraordinaire à saluer. C'est à regarder avec respect. Quand j'entends dire que nous aurons ici des hôpitaux de référence et que celui qui le dit fait ce qu'il a dit, et j'ai dit bien souvent dans les délais, il me dit, ah ok, ça voudrait dire que si demain, quelqu'un a des arthroses carabinées et qu'il faut faire une prothèse, c'est-à-dire couper là, sortir ce qui ne va pas, déposer ce qui va marcher pour que la personne marche à nouveau. J'ai dit, Dieu, veuille que je voie. Je n'ai pas dit que je souhaite l'être opéré, que je voie. Si un jour, on peut ici, en toute sécurité, opérer une hernie discale, j'ai dit bravo. Si un jour, ici, on peut en toute sécurité opérer une cataracte, j'ai dit bravo. Et quand je vois que le dispositif qui est en train d'être mis en place dans la tête des gens, c'est pour atteindre ça, je m'incline et je prie Dieu de faire en sorte que nous entrions dans un couloir entier autour de ce mode opératoire, de ce nouveau comportement. Je n'ai pas dit que les individus vont durer éternellement. Je suis assez lucide pour savoir que les générations s'écoulent fatalement et c'est imparable. Mais il ne faut pas retourner derrière. Je vais être concret. Vous permettez? Moi, j'habite Porto-Novo. Je dirais depuis longtemps. Quand j'étais ministre déjà, il y a comme 20 ans, j'habitais Porto-Novo et je faisais le trajet. J'étais bien sûr au gouvernement. Et presque sur une base régulière, on disait que les paysans de Djeffa ou de Sébécraqué ont bloqué la route. Et pourquoi ont-ils bloqué la route? Parce qu'une voiture a fauché un écolier qui va traverser. Et puis bon, nous avons eu la brillante idée de faire des dodanes. Ça a continué. Et quand ça arrivait, on se portait au village pour offrir le petit cercueil d'enfants, et on revenait encore s'asseoir. Le temps
qu'une voiture en fauche encore un autre. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Et ce fait que j'ai la grâce de faire encore le trajet. Et quand j'arrive au carrefour principal, je vois la police debout. Des hommes, des femmes, qui arrêtent. Je mets sa moindre griffe, les gens importants, pour laisser passer les enfants des paysans. Les gens moins importants, en griffe. Que pensez-vous qui se passe là comme alchimie? Il se passe que l'enfant se dit, qui suis-je pour qu'on arrête les voitures pour moi, moi enfant de la dame qui vend la canne à sucre là? Je suis donc quelqu'un qui le fait. Ah, c'est la communauté. Elle est représentée par un policier. Il a été recruté et habillé par l'État. Il comprendra demain pourquoi on lui demandera de payer un impôt. Et s'il était sportif, il ferait les sacrifices nécessaires pour porter haut le nom de sa maison, pour consolider sa maison. Par ces petits gestes, de rien du tout, que nous voyons en surface, on met la graine de la citoyenneté, de l'amour du pays, du patriotisme, dans le cœur d'enfant. Et le pays est garanti de grandeur pour demain. Ne nous trompons pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des erreurs de jugement dans le passé et qui ont osé penser que rien ne se fait sous leurs yeux. Et par devoir de cohérence, de bonne continuation, ils continuent de le dire. Ils font du déni. Ils ont un mal morbide à reconnaître ce qui est bien. Et si vous me laissez parler, ça sera jusqu'à demain matin. On va rebondir sur un autre point du discours du président de la République qui a souhaité que les prochaines élections législatives soient une fête. Par rapport à cette ouverture qui s'observe en ce qui concerne les candidatures et partis politiques en lice, est-ce que vous pensez que les prochaines élections législatives seront véritablement une fête comme le souhaite le chef de l'État? Elles seront paisibles, oui. Elles seront très paisibles. D'abord parce que je suis optimiste de nature, mais surtout parce que elles sont équitables, elles le seront, et que les gens vont être obligés d'être raisonnables. Ils seront obligés d'être raisonnables, de faire dans la fausseté systématique. On sera obligé de reconnaître le bien comme le bien, et d'avoir quelque chose contre le mal. Non, il est temps maintenant qu'on guérisse de la grimace, de la fraude, du péché contre l'esprit, et qu'on accepte ce qu'est la vérité. Notre pays mûrit, il mûrit dans tous ses compartiments. Je dis avec respect, moi je ne vois pas que les infrastructures matérielles, je vois la superstructure, ce qui se passe dans nos têtes, à chacun de nous. Notre rapport au bien public, tout s'améliore. C'est le moment de donner de l'énergie, de soutenir ce qui se fait. Et je dirais... Et ça passe par la prochaine assemblée? Pour partie, ça passe par là. Pour partie, ça passe par là. OK? Vous espérez pour les forces de l'opposition? Mais le monde est bienvenu. Que tous ceux qui croient qu'il vaut mieux bien se porter dans la paix et la concorde arrivent là. Et on fait ensemble. Ça se fait ensemble. Je dirais ça se fait avec tous. Passons ce soir ensemble. Votre aisance à aborder les actions de gouvernement que conduit le chef de l'État qui a pris les rênes du Bénin depuis bientôt 7 ans. Vous avez suivi sa déclaration face aux investisseurs français. Il y a quelques mois en arrière, le président de la République a indiqué qu'il n'a pas vocation à faire du Bénin une terre de démocratie comme la France. Si vous permettez... Les cathédrales que nous observons en France ou en Belgique ou à Montréal, qui nous émerveillent, j'ai dit les cathédrales, il me plaît de désirer les cathédrales. Je peux désirer les mosquées ou les synagogues ou même les routes. Vous pensez que ces infrastructures ont été érigées dans quelles conditions? Sous quelle forme de régime? Vous pensez que c'est avec la démocratie, que c'est avec, mon Dieu, le libertinage? Non, c'était des rois qui dirigeaient. Nous ne devons pas avoir des rois. Non, on n'en a pas besoin. Mais il faut un minimum de discipline. Vous savez ce qui s'est passé et dans quel piège nous sommes tombés? Excusez-moi, je le dis. Les autres se sont développés en ayant été rudes avec leurs compatriotes et avec nous autres, nègres. Ils ont déposé les bases
de leur infrastructure et de leurs capitaux. Et puis, ils ont dit maintenant, OK, c'est bien. On a fini de bâtir, maintenant, on veut être gentil. Ils nous ont proposé le même code du travail qu'à nous. Mais eux non plus n'avaient pas les congés. Eux non plus n'avaient pas les congés de maternité dans le passé. C'est dans ces conditions qu'ils se sont bâtis, eux. Ils faisaient travailler les enfants de 15 ans. Moi, je suis de formation littéraire. J'ai lu. J'ai lu Oliver Twist, j'ai lu Les Misérables. C'est dans ces conditions qu'ils ont eu le substrat de leur développement. Nous, on ne peut pas se permettre de faire le même parcours. On va les rejoindre. Mais pardon, qu'ils nous laissent venir à notre rythme. Nous aussi. Hein. Est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie, puisque nous avons souscrit à la démocratie depuis 90? Mais nous n'avons pas souscrit à la faim, à la misère, au doute, au deuil. Nous avons souscrit... C'est ce que nous apporte la démocratie? Pardon? C'est ce que nous apporte la démocratie? Non. La faim, le deuil? Non. Tout ce que vous citez? Si vous permettez. Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Comment la lisez-vous dans la réalité? La pauvreté, c'est la maman décharnée dont le bébé de 6 mois a le paludisme, qui est déjà peut-être anémié, qui se porte à la pharmacie, non pas pour acheter les produits, mais pour en prendre les prix. D'accord? Pour en prendre les prix. Et retourner à la maison, voir si les 4 médicaments, celui contre la douleur et la fièvre, celui pour s'attaquer au plasmodium réellement, au mal, et peut-être celui pour donner de l'appétit à l'enfant, pour qu'il redevienne fort. Et de façon fortuite, on regarde sur les 3 médicaments ce que l'on peut acheter. Et on peut acheter celui qui n'est pas le bon. Et ça va se compliquer. Il faudra maintenant 60 000. Parce qu'on n'a pas eu 3 000 francs pour acheter les 3 médicaments. Il faudra 60 000 pour faire une série de 6 perfusions. C'est pour cela que je parle de deuil. C'est pas bon la pauvreté. Si, moi j'écoute, que quelqu'un qui gagnait 80 000 francs va en gagner 130, il assure un peu mieux ses ordonnances médicales. Je parle de celles de ses enfants, et en particulier celles des bébés. Vous savez, j'ai reçu un professeur de notre école de médecine, l'hôpital, là, CNHU, qui était venu me parler de sang, le sang. Et si ma mémoire est bonne, le coût de revient d'une poche de sang, le coût de revient d'une poche de sang pour le produire, les réactifs, le transport, les conditions de conservation, c'est entre 40 000 francs et 50 000 francs. C'est vendu à l'hôpital à 2 000 francs pour sauver l'enfant malade. Mais il arrive que des mamans n'aient pas les 2 000 francs. OK? OK? Si ça doit être doublé de grève, de soignants, je pense que nous serons piégés. Et si l'on est parvenu à négocier la paix sur ce front-là, et à faire depuis hier, donc pour la fin de ce mois, des relèvements de salaire pour que les mamans sages-femmes ne laissent pas leurs consoeurs mourir en couche sous prétexte de grève, moi je pense que mon pays progresse et je soutiens. On aurait souhaité poursuivre ce débat. Malheureusement, nous sommes contraints par le temps. Votre mot de fin, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je pensais qu'on venait juste de commencer. Merci beaucoup. Je pense que c'est un privilège. Bon réveil. C'est un privilège de parler de ces choses. Je me suis bien défoulé. J'ai dit ce qui est en moi et j'espère que je serai entendu. Je suis plein d'humilité, mais tout chargé de passion. Je craque de passion pour notre pays, pour mon pays, pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils existent déjà pour certains. Et pour d'autres, ils sont dans le pipeline. Vers le ciel, qu'on soit plus fort pour les accueillir. Et qu'on donne un nom à ce pays-là. Qu'on nous situe sur la planète Terre. Vous êtes sûr que c'est fini? C'est fini. Oh là là! C'est fini, bien évidemment. Merci à vous.